vous faites rapide. Moi, je sais pas. Elle sera peut-être pas très très longue, mais bon, regardez. Si on est plus court. Moi, je peux faire une. Ouais. Nous allons reprendre pour finir, s'il vous plaît. Ma voix qui porte mon autorité naturelle, j'espère qu'on n'enregistre pas ça. Nous allons terminer en vous donnant un petit point sur l'avancée du portail du réseau des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art, qui est désormais traditionnel à chacune de nos rencontres, puisque nous avons cette année quelque chose à vous montrer. Et oui. Ah. Tu veux la première scène? Je vais revenir avec vous très très rapidement, voilà, sur le portail en 2-3 diapositives pour remettre en situation. Alors le portail, c'est quoi? C'est la vitrine du réseau des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art. Donc il a deux vocations. Il a vocation à offrir une visibilité et une identité collective aux bibliothèques du réseau, et de constituer un service utile aux chercheurs. Alors, de quoi va être constitué, composé ce portail? Alors, on va avoir un annuaire des membres du réseau, on aura une recherche cartographique des établissements, c'est ce que Ludivine va commencer à vous montrer tout à l'heure, une recherche fédérée uniquement pour les participants qui souhaitent y adhérer, et diverses fonctionnalités de services à disposition du public. On aura par exemple des ressources en ligne, des tutoriels, et aussi, ça ne marche pas, l'Internet professionnel. Voilà. Alors, les établissements participant au projet, donc 147 bibliothèques, souhaitent participer et on remplit le formulaire pour y participer. Alors, dans les 147, on va voir les trois grands réseaux nationaux qui font partie du réseau des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art, c'est-à-dire le réseau des bibliothèques des musées nationaux, donc RBMN, le réseau des bibliothèques des écoles d'art, le BEAR, et le réseau des bibliothèques des écoles d'architecture, Archires. Et enfin, 35 bibliothèques hors réseau partenaire, dont l'INHA, qui coordonne le projet. Juste pour vous donner un petit peu un chiffre, on est à 217 bibliothèques qui font partie de la liste de diffusion, donc du réseau des bibliothèques d'art. Il y en a 147 qui font partie du projet, sachant que c'est évolutif et certains ont souhaité intégrer le projet dans une phase ultérieure. Alors, je vous ai mis la liste des établissements, juste comme il y aura le diaporama sur la page dédiée de cette rencontre qui va être mise en ligne dans quelques jours. Donc, vous pourrez regarder les noms des bibliothèques. Et après, c'est Sophie qui va nous faire un rappel des étapes du projet. Rapidement, pour redonner un peu le calendrier sur lequel on était déjà intervenu l'année dernière, on a commencé à mettre ça en place d'une manière un peu structurée en 2020. Au printemps 2021 de l'année dernière, certains d'entre vous et certaines d'entre vous ont participé à un groupe de travail autour de la structuration de ce portail, de qu'est-ce qu'on pouvait y mettre, qu'est-ce qu'on pouvait ne pas y mettre, sous quelle forme, etc. Ça a été assez productif, même si c'était à ce moment-là encore un peu abstrait, parce que les solutions, comme on ne connaissait pas encore tout à fait les besoins, les solutions n'étaient pas encore tout à fait fixées. Mais à partir de l'automne de l'année dernière, donc il y a quelques mois maintenant, on a un petit peu structuré l'idée que nous nous faisions du portail du réseau des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art en trois couches, pourrait-on dire, ce que disait un petit peu Anne, avec un premier portail cartographique pour lequel on a choisi une solution déjà utilisée à l'INHA. Donc on avait l'avantage de la connaissance de l'outil qui s'appelle GoGoCarto, que va vous présenter Ludivine sous peu. Ensuite, il y aura un CMS multi-utilisateur que certains d'entre vous connaissent très certainement qui s'appelle LibGuide. Donc on a choisi une solution un petit peu plus complexe qui permettra de mettre
encore plus d'informations par rapport à la solution cartographique. Donc, il faudra vraiment penser à l'articulation entre les deux outils. Et dans un troisième temps, on va chercher, on a déjà quelques idées, d'outils pour une recherche bibliographique fédérée. Alors, l'idée n'est pas de refaire le CCFR ou le SUDOC, mais de proposer un outil catalographique qui permette de chercher un petit peu dans tous les solutions de catalogue des institutions qui sont prêtes à participer à cette couche spécifique. Donc, où est-ce qu'on en est ? Actuellement, on a bien avancé dans la cartographie, c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Ce n'est pas encore tout à fait fini, mais ça ne saurait tarder. Et cet été, on va terminer dans quelques semaines tout ce qui est construction juridique. On reviendra vers les établissements pour une finalisation de cet aspect-là sur une convention qui encadrera à la fois la participation au réseau et à la participation aux différentes couches du portail. À venir, donc on va faire une deuxième session probablement plus courte et moins complexe de groupe de travail autour des contenus, notamment du LibGuide, pour vous montrer un petit peu ce qui aura déjà été développé, savoir si ça correspond à nos premières réflexions et comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, pour aussi fédérer les volontés et pour produire des contenus, puisque l'idée, c'est quand même d'avoir un portail collectif, donc il faut que les contenus soient aussi produits de manière collective. Donc là, ce sera un petit peu un appel à manifestation pour produire un certain nombre de choses. Donc la réflexion autour de l'outil de découverte bibliographique qui interviendra une fois que ça se sera bien lancé et bien en place. Je te laisse la parole. Alors. Hop. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Donc je suis Lydie Vinchot, c'est la première fois que je participe à ces journées, en tout cas de ce côté-ci. Donc je me présente un petit peu, je travaille au service informatique documentaire de la bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Je fais partie du groupe de projet pour ce fameux portail, et je suis plus particulièrement dans ce groupe projet responsable de l'administration des outils, la mise en place technique de ces outils-là. Donc, on va pouvoir aujourd'hui vous faire une première démonstration c'était un peu le but, en tout cas, de cette intervention, du premier outil qu'on a choisi et mis en place, donc Gogo Carto, qui a un nom un petit peu amusant, mais qui est très, très fonctionnel et très, très utile, très pratique. Donc, c'est un outil de cartographie, qu'on peut dire semblable à Google Maps, par exemple, mais il est, moi, je le trouve, en tout cas, beaucoup plus intéressant. Déjà parce que c'est un outil libre, et puis qu'on a pu installer une instance vraiment sur nos serveurs, donc on n'est pas dépendant d'un service externe, on peut vraiment l'adapter à nos besoins, et on a la maîtrise de nos données. Donc ça, c'était un point important pour le projet. Et puis, il offre aussi beaucoup plus qu'un site de cartographie comme Google Maps, puisqu'il y a vraiment un site web qui fait partie complète de cette cartographie. Donc l'outil permet d'avoir une page d'accueil que vous voyez ici, une carte personnalisée que je vais vous montrer après, donc vraiment le cœur du projet, comment rendre visibles les bibliothèques d'histoire de l'art en France et puis même ailleurs. Et puis on a aussi possibilité de mettre quelques pages de contenu, comme la page ici que vous voyez dans le menu « Qui sommes-nous ?» ou à propos, on va pouvoir mettre des mentions légales, par exemple, ou une page de contact. Ça peut être étoffé, il peut y avoir plusieurs encarts, plusieurs pages à ce niveau-là. Donc, ça permettait vraiment déjà, dans un premier temps, de faire une belle présentation, une belle page d'accueil pour cette carte qui est vraiment un outil complet, qui n'est pas juste un widget qu'on va intégrer dans une autre instance, qu'on peut faire aussi, hein, mais en tout cas qui a une autonomie. Donc, c'était très intéressant pour nous. Donc, on l'a choisi, je vous ai déjà dit quelques raisons, mais aussi parce qu'il répondait à tous les besoins exprimés lors des groupes projets, hein, des groupes de travail. Et puis, il était aussi déjà utilisé à l'INHA par un site qui s'appelle Le Monde en Musée, que vous connaissez peut-être, qui a été
mise en ligne il y a quelques mois. Et donc, du coup, c'était intéressant pour nous. On avait une expertise en interne et aussi donc une facilité d'installation par le service informatique. Donc, tout ça s'est passé très, très vite. Finalement, à partir du moment où j'ai mis le doigt sur cet outil, j'ai pu très vite le mettre en place. Et c'est un outil très facile à administrer, très agréable à administrer. Donc, voilà, on était convaincus très, très vite. Donc, maintenant, je vais passer du côté utilisateur. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire donc, avec cet outil ? Donc, il arrive sur une. Donc, l'adresse URL, pour l'instant, c'est une adresse interne. On va la changer hein, quand il sera publié. Voilà, donc, c'est un site web comme un autre. À partir d'une URL, on peut y accéder. Vous avez donc cette page d'accueil qui comprend donc un titre, une barre de recherche où le visiteur peut déjà rechercher une bibliothèque par son adresse, par son nom. Par aussi les catégories. Je vais vous montrer ce que c'est que les catégories. C'est des filtres, donc des thèmes qui nous ont permis de segmenter un peu les bibliothèques, de les catégoriser, vraiment de faire des facettes et des filtres de recherche. Donc là, il peut déjà lancer une recherche. Ensuite, il va y avoir une partie plus basse. Vous voyez que c'est assez bien fait parce que du coup, on a une visibilité complète sur cette barre de recherche et la partie texte qui peut être un peu moins intéressante pour le visiteur, se trouve bien plus bas et en même temps est bien indiquée avec « En savoir plus » et les deux flèches ici. Il y a, donc, comme je vous disais, Sophie, c'est un prototype. Hein, on n'a pas encore complètement terminé, surtout au niveau de la charte graphique. Donc là, ce que vous voyez, ce ne sont pas les couleurs définitives, ce n'est pas l'image définitive en fond. Il y a tout un travail encore à faire avec, en particulier avec le service communication, et puis voilà, des décisions à prendre sur les couleurs. Ça, c'est une charte graphique qui était fournie de base, enfin une des chartes que j'ai choisi de mettre pour le modèle, pour nous aider à concevoir le tout. Voilà, possibilité de mettre un lien. Donc là, on pensait mettre le lien vers du coup, le LibGuides, le portail de contenu, qui pourrait être accessible du coup, dès la page d'accueil de la cartographie. Voilà, donc page d'accueil très simple. Et puis, donc accès à la carte, soit en lançant une recherche ici, soit en cliquant sur la carte à ce niveau-là. Donc la carte est composée, bien sûr, d'une carte avec des marqueurs. Les marqueurs, vous allez les voir de plus près derrière ces chiffres-là. Et puis, nous avons, comme je vous ai dit, des catégories qui nous servent à filtrer la carte, à filtrer la recherche. Donc, un visiteur, un lecteur qui souhaite aller, qui est par exemple situé en Île-de-France et qui veut localiser toutes les bibliothèques en Île-de-France, va du coup cocher ce filtre ici et puis va avoir accès à 47 bibliothèques. Et puis, en cliquant dessus, s'il le souhaite, hein, il peut naviguer d'une autre façon. Mais en tout cas, on peut se rapprocher et voir différents établissements sur la carte située, géolocalisée. La facette, le filtre principal, c'est la localisation. Bien sûr, on a choisi de le mettre en priorité puisque on s'est dit que pour une carte, c'était quand même l'entrée la plus importante, c'est où est-ce que j'ai des bibliothèques autour de moi. Donc, il y a possibilité aussi de faire une géolocalisation à partir de ce point ici. Géolocaliser votre position, il faut que le navigateur accepte la géolocalisation. Donc, je pense qu'ici, nous, on est bloqués. Mais voilà, j'ai fait des tests, ça marche très bien. Si votre ordinateur, votre périphérique, votre téléphone est paramétré pour accepter la géolocalisation, vous allez donc trouver tout de suite les bibliothèques qui sont autour de vous. Donc, c'est une fonctionnalité de base aussi proposée par l'outil. Donc, du coup, je vais passer directement pour vous expliquer un peu les marqueurs. Ici, vous ne comprenez peut-être pas d'emblée ce que signifie. Il y a un code couleur. Donc, le code couleur représente le réseau dans lequel s'inscrit la bibliothèque, l'établissement. Il y a donc aujourd'hui trois réseaux participants, Archires, BEAR et RBMN.
Pareil, les couleurs ici, on s'en est vite rendu compte, mais j'ai récupéré les couleurs qui étaient à peu près sur les pages d'accueil de chaque catalogue ou chaque site des réseaux. Mais du coup, on est sur quelque chose qui n'est pas assez différentiel. C'est-à-dire que les couleurs se ressemblent un petit peu. Donc ça, c'est pareil au niveau de la charte graphique. Je pense que c'est quelque chose qu'on travaillera. En tout cas, aujourd'hui, les couleurs des marqueurs vont représenter l'appartenance au réseau. S'il n'y a pas de réseau derrière, puisqu'il y a quand même beaucoup de bibliothèques qui n'appartiennent pas à un réseau, le pictogramme va être gris, comme ici, par exemple. Voilà. Donc ça, ça va être important vraiment de démarquer ces couleurs pour que ça soit le plus parlant possible. Et ensuite, vous avez vu qu'il y a aussi des petits pictogrammes qui représentent en fait le deuxième filtre ici, qui est aussi un filtre qui nous a paru très important. C'est pour ça qu'on l'a mis en avant avec des pictogrammes. Ce sont les domaines des collections des bibliothèques. Donc là, il y a eu un gros travail sur cette liste. Et les pictogrammes, pour moi, ne sont pas encore suffisamment satisfaisants, mais voilà, on a fait avec la base de picto qu'il y a actuellement. C'est quelque chose aussi qu'on pourra développer. Vous avez si vous êtes familiarisé avec cette liste donc, de domaines, vous allez trouver tout de suite visuellement une bibliothèque qui correspond aussi à dans l'aire géographique que vous voulez. Est-ce que il y a des collections dans le domaine qui vous intéressent. Si vous avez un petit plus, vous voyez que certains ont un petit plus à côté, ils ne l'ont pas tous. Alors, je vais reculer un peu pour vous en montrer peut-être sans. Celui-ci n'en a pas. Celui-ci, le musée d'archéologie nationale, n'en a pas. Il n'a qu'un seul domaine. Mais si vous avez un petit plus, vous avez plusieurs pictos qui vont apparaître en survolant le marqueur. Donc vous allez avoir tous les domaines qui sont dans les collections de l'établissement, de la bibliothèque. Voilà pour les domaines. Et puis, donc, des filtres. Je vais vous présenter plus en détail aussi les catégories que nous avons choisies. Donc, les publics, on a choisi aussi. Ça a été aussi un débat. Au départ, on avait vu une liste plus courte. Et puis finalement, on a décidé, par exemple, de rajouter les étudiants en licence parce qu'on considérait plus que c'était dans le tout public. Puis finalement, on s'est dit, est-ce qu'un étudiant en licence va se considérer comme tout public? Est-ce qu'il va vraiment cliquer sur ce filtre-là? Donc, du coup, on a décidé de sortir tous les niveaux étudiants et puis, bien sûr, enseignants-chercheurs et les professionnels. Donc, si une bibliothèque reçoit tout public, elle va se retrouver dans la catégorie tout public, mais également dans les autres. Si on clique sur étudiant licence, puisqu'elle reçoit tout public, on va aussi la trouver à ce niveau-là. Donc, on a fait en sorte, dans le recueil de données, que ce filtre fonctionne à double niveau, en fait, qu'il n'y ait pas que tout public, pour pas perdre des établissements quand on fait une recherche étudiant licence, par exemple, si les deux ne sont pas corrélés à l'établissement. Ensuite, nous avons plus sur les collections, donc les périodes couvertes, préhistoire, antiquité, donc la chronologie assez classique dans nos domaines. L'ère géographique, est-ce que les collections concernent l'histoire de l'art en France, en Europe, en Afrique, voilà, tous les continents, également dans le monde entier. Donc ça, c'est aussi une catégorie pour laquelle on peut filtrer. Les types de bibliothèques. Donc la bibliothèque, dans quel établissement elle se trouve? Est-ce que c'est une école d'art? Est-ce que c'est une fondation? Un musée? Voilà, donc on a recueilli ces informations-là aussi. Et puis encore sur les collections, les types de documents. Est-ce que c'est des documents audiovisuels, iconographiques, des imprimés? Voilà, donc, et également la bibliothèque numérique va se retrouver à ce niveau-là. On l'a ajouté dans les documents avec en dessous des ressources électroniques. Si l'établissement a une bibliothèque numérique et s'il l'a déclarée, on va retrouver cette information à ce niveau-là. Voilà, et puis on peut aussi, bien sûr, filtrer par réseau, c'est aussi possible. Alors,
Donc voilà, donc aujourd'hui, je crois qu'on a fait un premier import de données avec ce qu'on avait pu récupérer. Donc je crois qu'il y avait 143 réponses, hein, 143 établissements, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc ça, c'est le dernier import que j'ai fait. Là, les 143 bibliothèques ont été importées. C'est en important, finalement, on avait fait beaucoup de tests avec peu de données, mais c'est en important des choses un peu plus importantes, les 143, qu'on se rend compte qu'il y a. Que la saisie de données est très importante. Hein, ça paraît évident à dire, mais c'est vrai que j'ai du coup relevé plein de choses à recorriger pour que dans la carte, ça apparaisse comme il faut, des filtres qui n'apparaissaient pas. Et puis, voilà, quand une donnée est mal saisie, par exemple la géolocalisation, qui est quand même très importante, eh ben, on peut se retrouver dans l'océan, voyez. Donc, dans l'import, on l'a laissé pour que ça soit un peu... pédagogique notre affaire, mais c'est vrai que c'était vraiment importé comme ça, et j'ai dit oups, on a une bibliothèque à l'océan, il y a un problème. Et donc c'est des histoires de chiffres négatifs qui n'étaient pas saisis dans le tableur, tout simplement, puisqu'on travaille avec un import, c'est un tableur de données que Cannes a envoyé à toutes les bibliothèques pour que vous puissiez, la plupart d'entre vous ont dû le voir et remplir toutes ces données, donc c'est vous finalement qui remplissez ces informations, et c'est très important. Alors, on fait des vérifications, mais avec la masse, c'est pas toujours évident. En tout cas, il est évident que la géolocalisation, on va y faire très attention, puisque les bibliothèques à la mer, c'est pas très, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Alors, est-ce qu'il me reste encore un peu de temps? Quelques minutes? Ouais. Donc les marqueurs, j'en ai parlé. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah ben oui, j'ai pas montré une fiche du coup bibliothèque, parce que c'est pas tout de les voir sur la carte. Donc ici, ouais, je vais vous montrer aussi le moteur de recherche, qui est le même finalement que sur la page d'accueil. Vous avez une petite barre de recherche dans laquelle vous pouvez rechercher un lieu, par exemple. Et du coup, il va vous indiquer, est-ce que vous voulez que cette recherche, ça soit le lieu géographique. Du coup, il va vous emmener directement à la ville de Limoges, ici. Ou alors, il repère que dans les contenus, il y a, par exemple, une bibliothèque dont le nom comporte le mot Limoges. Voilà. Donc, c'est vraiment le mot dans le nom, hein, ce n'est pas sa localisation, du coup. Là, au niveau bibliothèque, c'est le titre, donc le nom de l'établissement qui va comporter le mot Limoges. Et donc, du coup, il y en a d'autres, hein, à Limoges, il y en a deux, mais on retrouve que celle-ci par la recherche. Donc, je vais chercher en lieu géographique, voilà. Donc, il nous met ici. Donc, il y a deux bibliothèques, l'École nationale supérieure d'art de Limoges et puis le Musée national Adrien Duboucher, avec les couleurs, donc je vous rappelle qu'on peut voir qu'il appartient à un réseau, donc les deux appartiennent à un réseau différent. Et puis, quand je clique sur l'établissement, sur le marqueur, je vais ouvrir un volet qui va comprendre la fiche détaillée, en fait. Donc, cette fiche détaillée aussi, on a beaucoup travaillé, ça a été paramétré champ par champ. Donc, il y a encore des petits bugs. J'ai constaté des petits bugs avant de venir. Il y a des trucs qui vont pouvoir se réparer, hein, mais qui, des champs qui ont été mal importés, pas au bon endroit, du coup, ils n'apparaissent pas là, puisque l'affichage est vraiment fait avec précision. Du coup, on a les informations pratiques, les coordonnées. Les liens se manifestent de cette façon-là, donc en couleur avec un petit picto pour signaler un lien. Donc s'il y a un site web de la bibliothèque, on va pouvoir y aller directement. Des informations pratiques sur les horaires, sur le type d'accès, si c'est un accès sur inscription, sur rendez-vous. Les services proposés, les collections, un petit paragraphe sur les collections, voilà quel type de collection on y trouve. Et puis à la fin, donc ça je les ai rajoutés, je les ai tous mis. Pour l'instant, on filtrera peut-être, mais ce sont toutes les catégories qu'on va retrouver dans les filtres ici, sur la gauche, et qui sont également marquées dans la fiche pour que ce soit... je pense qu'on va en garder certains de toute façon pour que ce soit un peu clair. Par exemple, on sait que cette bibliothèque, elle reçoit tel type de public, tel type d'étudiants, des professionnels, etc. Et puis les périodes couvertes, voilà. Donc, si on veut, et je l'ai laissé sur la partie basse parce que on est quand même plus attiré par les informations pratiques sur les horaires, comment y accéder. Voilà. Et dans cette fiche, vous avez aussi la possibilité d'enregistrer, c'est-à-dire de mettre en favori,
Par exemple, ici, si je le mets en favori et que je clique après sur favori ici, je vais afficher, si je prends un peu de recul, voilà, je vais afficher plus que cette bibliothèque. Donc, pendant mes recherches, si j'ai plusieurs bibliothèques que je veux sélectionner, je peux les mettre en favori. Je peux également partager la fiche à partir d'une URL, ici, avec le bouton partager. Je peux également calculer un itinéraire. Voilà, donc là, je pense que j'ai été géolocalisée puisque je n'ai rien rentré. Il a voulu me faire un itinéraire parce que normalement, il me demande de saisir la ville. Bon, voilà, bon, c'était peut-être un truc avant. Donc, il affiche ici dans combien de minutes vous allez prendre et combien de temps vous allez prendre. Donc, il a géolocalisé à partir d'une donnée dont je ne sais pas d'où il l'a sorti, mais voilà. En tout cas, il y a aussi possibilité de trouver l'itinéraire. Et puis, si on a un compte, on peut également proposer des modifications sur cette fiche. Alors ça, c'est à voir aussi si on le laisse. C'est une possibilité de l'outil. En tout cas, on n'ouvrira pas, je pense, les propositions peut-être de manière anonyme. Il faudra au moins laisser un email pour savoir qui fait la proposition et savoir un peu d'où vient la demande. Voilà, sur des choses signalées dans la fiche bibliothèque. Voilà, mais je crois que j'ai fait à peu près le tour de l'objet en question. Juste pour rappeler la gouvernance, quand on parlait de réflexion collective, c'était un petit groupe de volontaires parmi vous qui a participé. Donc tout ce qui est facette, tout ce qui est type, etc., on en a tous parlé les uns les autres. On n'était pas juste nous trois autour d'une table à décider ce qu'il allait en être. Donc cet outil cartographique va être administré par l'INHA, il n'y a pas de prestataire, c'est un outil qui est à l'INHA et qui est géré par quelqu'un au DBD, l'UDIBI en l'occurrence. LibGuide, ce sera une solution payante mais que l'INHA prend en charge, et pour l'outil cartographique ce sera sans doute un autre modèle. L'idée étant de faire de la cartographie avec la dernière possibilité que vous a présenté l'UDIBI et du LibGuide, c'est vraiment des outils collectifs pour servir au mieux le réseau, pas redonder les sites des institutions ou les sites des réseaux partenaires, mais vraiment de donner une idée du réseau, de sa diversité, et notamment de donner la possibilité d'afficher ensemble des institutions qui ont différents statuts et qui donc administrativement sont d'habitude dans différents outils, dans différentes interfaces. Donc là, l'idée, c'est de tous nous rassembler. Est-ce que vous avez des questions sur cet outil, sur l'avancement, sur... Oui, moi j'ai une question, alors, sauf si je n'ai pas bien suivi, parce que c'est la fin de la journée, je fatigue, mais est-ce que vous avez donné la date de mise en ligne du portail et de... Voilà. Non, pas encore. Et juste une deuxième petite question, mais ça on en avait parlé avec Anne sur justement les dénominations, les facettes, tout ça. Il y avait des petites choses. Nous, art contemporain, les domaines ne conviennent pas parce que c'est des classes, enfin c'est des domaines très beaux-arts. Et nous, on a des artistes qui sont peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes, qui font l'installation. Donc on était très gênés en remplissant, voilà. Et je ne sais pas si on en avait parlé dans les publics. Moi, j'avais une suggestion. Je ne sais pas si il peut intéresser aussi le réseau des bibliothèques d'art. Moi, je trouve qu'il y a une catégorie de public qui nous intéresse, qui c'est les artistes, qui n'apparaît pas. Il y a les enseignants, les étudiants, les chercheurs. Est-ce que ça pourrait être une catégorie à part entière? Parce que chez nous, c'est aussi un public important de... Voilà. Ça n'avait pas été mentionné dans les discussions, mais effectivement, c'est une bonne remarque. Je pense qu'on l'avait pensé dans les professionnels. Après, c'est peut-être restreint, mais je pense que comme il y a par exemple des professionnels et des enseignants dans les écoles d'art, par exemple, des artistes qui sont aussi enseignants dans les écoles d'art, peut-être qu'on avait tout groupé dans l'idée des professionnels, sachant que Ludivine détrompe-moi si nécessaire, mais on peut mettre des infobulles qui passent sur les zones, du coup, éventuellement, par exemple, sur professionnels, on pourrait éventuellement mettre enseignants, artistes, etc., si nécessaire, totalement. Sur les domaines, les domaines, on en a abondamment parlé, beaucoup, beaucoup. Le grand avantage, c'est qu'on peut sélectionner plusieurs domaines. oui, c'est...
C'est une discussion sans fin dont nous sommes effectivement conscients. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Alors justement, c'est le petit bouton que vous a présenté Ludivine, sachant que les fiches seront augmentées par toutes les informations que vous avez pu remonter dans le tableau Excel que vous a envoyé Anne, pour les fiches qui seront stockées sur le LibGuide. Mais pour les modifications spécifiques à cet outil cartographique, il y a le petit bouton que vous a présenté Ludivine en dernier sur proposer des modifications. Et ça enverra des mails automatiques avec... Il y a déjà un formulaire ou pas encore ? Oui. Et ça enverra directement un mail à l'administrateur ou l'administratrice de l'outil. Et c'est évidemment quelque chose qu'on encourage si nécessaire. Oui, je voulais savoir si vous comptez faire appel à de nouveaux volontaires pour le groupe de travail à l'automne pour le CMS. Pour le LibGuide, oui, je pense qu'on refera un appel. D'accord. Notre idée sur les groupes de travail étant qu'ils sont les plus représentatifs possibles des différentes composantes du réseau. Donc, si on voit qu'il manque une des composantes qui nous paraît importante dans le réseau, on essaye de faire appel aux bonnes volontés de manière ciblée. Eh bien, merci à tous de votre attention pour cette journée. Ce qui était... pardon. Donc merci de votre attention. Ce qui était amusant, c'est que en fait, le thème de cette journée était pensé dans les premières réflexions du Conseil scientifique en parallèle avec le thème de l'année dernière, puisque à l'origine, on avait plein d'idées et à un moment, on les a divisées en deux. D'un côté, la valorisation des ressources et leur signalement, et de l'autre côté, les publics. Donc c'est intéressant de voir que les deux journées marchaient ensemble. L'année prochaine, on passera à quelque chose de totalement différent. Mais je garde le suspense. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé des publics. Initialement, on avait même pensé à en inviter des vrais. Finalement, ce n'est pas une idée qui a pu aller jusqu'au bout, mais de toute façon, on les voit beaucoup dans notre quotidien. Ce qui est intéressant, je pense qu'on a vu beaucoup aujourd'hui, c'est que les deux dernières années ont changé un petit peu, malgré tout, notre façon de leur parler et de les considérer, à peut-être sur certains points même densifier nos échanges avec eux, puisqu'on a peut-être beaucoup plus d'échanges directs, puisque dans certains contextes, ils étaient obligés de contacter les professionnels de la documentation qui les intéressaient. Donc, est-ce qu'on les connaît mieux maintenant qu'ils nous parlent plus ? C'est peut-être une des conclusions que nous espérons à cette journée. Ce qui est essentiel dans ce qui a été dit aujourd'hui, c'est de relever une certaine diversité de nos publics qui nous oblige, nous, à avoir une diversité de nos approches, même si ça peut être frustrant parce qu'on ne peut pas tout dire, on ne peut pas considérer tout le monde, tous les besoins, tout le temps. Donc pour nous qui avons vraiment à cœur de servir nos publics, ça peut parfois engendrer une impression de dispersion. Mais je pense que les enquêtes qu'on a présentées en premier dans cette journée montrent un taux de satisfaction dont on ne peut que nous-mêmes nous satisfaire et s'auto-congratuler. Comme le bibliothécaire n'aime pas trop le faire, mais quand même, autorisons-nous de temps en temps les choses. Marilyn Vallès a dit ce matin que le maître mot, c'était l'accessibilité. Et je pense que c'est aussi ce qui a dicté nos entreprises durant ces deux dernières années et ce qui dicte nos relations avec nos publics. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que, contrairement à ce qu'a prédit Eric de Chasset ce matin, que ces deux dernières années ne vont pas se renouveler trop souvent. Mais en tout cas, je pense qu'on en a beaucoup appris et que on en a tiré de bonnes choses. Merci.
pour ceux qui veulent participer à la visite organisée par Anne Cardinal, vous pouvez la retrouver. Voilà, juste là. Vers la estrade. Juste là même.